Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Alors, Cédric, est-ce que tu m'entends toujours? Parfaitement, bonjour tout le monde. Est-ce que tu m'entends là, Cédric? Oui, je t'entendais, pas de Ah, problème, je t'entends très super. bien. D'accord, et moi je t'entendais pas, mais là j'ai fait un Ah petit bon, d'accord. changement. Alors, Voilà. je redis bonjour à tout le monde, alors je ne sais pas si on m'a entendu ou Parfait. pas. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Donc ce soir, on sera avec Cédric, analyste chez DailyFX. On va parler chandelier japonais, support, résistance. L'idée, c'est de savoir un petit peu comment combiner ça, puisque souvent, on maîtrise les chandeliers, les supports et les résistances, mais comment est-ce qu'on fait finalement pour eh bien, pouvoir mélanger tout ça et finalement avoir de bons signaux en partant de ces trois éléments? Alors, avant que nous commencions, est-ce que tout le monde peut nous confirmer dans la fenêtre questions à l'écrit que le son fonctionne correctement pour vous, que vous voyez bien la présentation, et puis nous démarrons le webinaire de ce soir. Parfait, tout fonctionne. Eh bien, écoutez, impeccable. On va commencer immédiatement. Alors, je vous laisse lire bien sûr le petit avertissement. Je vous précise que IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation, bien sûr, est faite à titre indicatif, hein. C'est absolument pas à considérer comme un conseil ou une recommandation. Avec Cédric, on va être amené à prendre de nombreux exemples qui seront simplement là pour illustrer notre propos. Et puis IG se dégage de toute responsabilité concernant l'utilisation qui est faite de cette présentation et des conséquences qui en résultent. Un petit rappel sur IG, notamment pour nos nouveaux clients. Nous sommes cotés à la Bourse de Londres, au FTSE 250, qui est tout simplement l'indice élargi du FTSE. Nous avons plus de 239 000 clients à travers le monde qui sont répartis dans une vingtaine de bureaux. Alors, par exemple, le Japon, Singapour, l'Allemagne, pour vous citer quelques exemples. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne, présent à l'international depuis déjà 47 ans et à Paris depuis 13 ans. Donc, ce qu'on va voir ce soir, on va commencer par la lecture du chandelier japonais. Donc, vraiment reprendre la base. Quelles sont les informations qu'on a dans le chandelier japonais et comment est-ce qu'on les retrouve? Ensuite, on va s'intéresser au support, à la résistance et après, on ira justement eh bien, lier tous ces éléments avec Cédric, qui nous montrera justement sur la plateforme, eh bien, comment analyser tout cela, quels sont les signaux, que ce soit à la hausse, à la baisse. Et l'avantage, vous le verrez, c'est que ça marche sur tous les marchés. Quand vous avez des questions ou besoin de précision, surtout, n'hésitez pas, hein, on est là, pour ça. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc, vous les posez à l'écrit dans la fenêtre questions. Et puis, moi, comme ça, je les lirai à l'oral pour que tout le monde puisse en profiter et on y répondra, au fur et à mesure. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et on va démarrer tout de suite avec, je dirais, les prémices, hein, avant même de parler des bougies japonaises, les deux éléments clés qui sont la tendance haussière et la tendance baissière. C'est vraiment, je dirais, le nerf de la guerre, s'assurer quand on investit d'être en tendance avec du coup comment identifier une tendance haussière et comment identifier une tendance baissière. Donc, la tendance haussière, tout simplement, vous allez voir des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Et c'est vraiment ce que vous allez pouvoir identifier. Alors, idéalement, et Cédric me corrigera peut-être, pour avoir une très belle tendance haussière, et pareil pour la tendance baissière, l'idéal, c'est d'être en mesure de pouvoir tracer cette droite, justement, cette oblique sur trois points bas de la tendance haussière, de manière à en quelque sorte à ce qu'elle soit théoriquement parfaite. Tu confirmes, Cédric? Exactement, tout à fait. Très bien. Rien Et à donc, redire. pour la tendance baissière, même principe, sauf que cette fois-ci, ce sont les plus hauts qui vont être de plus en plus bas. Et donc, pareil, l'objectif, ce sera de venir tracer cette oblique baissière, idéalement avec au moins ces trois points d'impact. Et puis, plus il y a de points d'impact, plus finalement, ça veut dire que la ligne est forte et qu'elle est très suivie par les investisseurs. Donc, ça, c'est vraiment des éléments phares pour démarrer. Alors, je fais une petite pause sur cette slide qui est très intéressante parce que très souvent, quand on parle d'analyse technique avec Cédric, on a des clients qui nous disent, mais quelle unité de temps je devrais regarder?
Et en fait, les unités de temps, c'est vous-même qui allez les déterminer par rapport à votre horizon d'investissement. Si vous faites du scalping ou de l'intraday et que vous regardez, par exemple, le graphique mensuel, bah, vous n'allez pas avoir les informations nécessaires pour prendre vos décisions d'investissement. Vous aurez des signaux qui sont des signaux beaucoup trop long terme par rapport à votre stratégie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand vous allez analyser vos graphiques à la recherche des tendances, des chandeliers, des supports, des résistances. Il faut quand même regarder des unités de temps qui soient en rapport avec votre investissement. Donc généralement, on peut regarder 3-4 unités de temps, une plus précise, une plus globale, mais qui reste quand même proche de ce que vous voulez faire. Voilà, donc ça, il faut quand même le garder à l'esprit. Il faut que ce soit corrélé à votre, au temps pendant lequel vous voulez rester en position. Au niveau des bougies, donc on parle de bougies, mais en fait, ce sont des chandeliers japonais. Donc, c'est une représentation japonaise qui est une représentation historique. À l'origine, la bougie verte, qui est la bougie haussière, est représentée, vous le voyez ici, par une bougie blanche. Et la bougie baissière, elle, est représentée par une bougie noire. Alors, c'est vrai que maintenant, dans les représentations modernes, on utilise plutôt le vert pour les bougies haussières et le rouge pour les bougies baissières. C'est un petit peu plus visuel. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, si vous voulez, c'était tracé vraiment sur du papier à la main. Et en fait, bah, les bougies blanches, c'était des bougies qu'on laissait sans les remplir. Et les bougies noires étaient remplies justement avec l'encre. Donc voilà, c'est de là que vient cette représentation. Alors, on a aussi une représentation un petit peu différente avec le bar chart, alors qui nous donne l'avantage, hein, c'est qu'on a autant d'informations que dans la bougie japonaise. Parce que dans la bougie japonaise, vous voyez qu'au travers de ce symbole, vous avez quand même quatre éléments. Vous avez le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut, le plus bas, et puis vous avez également, vous voyez, l'ampleur du mouvement, la volatilité entre ces deux mèches pendant la période de temps concernée. Donc, il y a vraiment cinq informations au sein de ce symbole et ces cinq informations, on les retrouve justement dans le bar chart. Le principe du bar chart, c'est que du côté gauche, on va toujours retrouver le cours d'ouverture, donc qui sera en bas dans le cadre d'une bougie haussière ou en haut dans le cadre d'une bougie baissière et à droite, le cours de clôture. Même, je dirais, système, hein, par symétrie avec la bougie baissière, on retrouve toujours notre cours d'ouverture, notre cours de clôture, le plus haut et les plus bas avec ces mèches hein, qui représentent justement la volatilité et les éléments, comme je vous le disais pour le bar chart, hein, à gauche le cours d'ouverture, à droite le cours de clôture. Donc l'intérêt, c'est que vous allez voir qu'au sein de ces chandeliers japonais et par des analyses très rapide, on peut déjà avoir une idée de la tendance. Et on va passer d'ailleurs à la slide suivante. Cédric va vous décrire déjà quelques figures qui sont des figures notables, en fait, qui sont des figures qui fonctionnent très bien avec les chandeliers japonais. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a un petit peu exercé son œil, on va pouvoir, eh bien, identifier ces figures et justement comprendre quel est le message, ce à quoi on peut s'attendre derrière ces différents éléments. Alors, je te laisse présenter un petit peu les différentes configurations, Cédric. Le propos ici n'est pas de reprendre le webinaire qu'on avait fait sur les chandeliers japonais, mais de passer assez rapidement sur la théorie pour aller voir la pratique, puisque le thème, c'est bien la combinaison de ces chandeliers avec les supports et résistances. Alors, une des figures phares, on va dire, de configuration phare des chandeliers japonais, c'est ce qu'on appelle l'étoile du matin. Donc là, vous avez les termes en anglais, puisque c'est un peu plus connu en anglais. Hein. Donc, il s'agit en fait d'une combinaison de trois bougies. Une bougie, là on est sur une étoile du matin, donc une bougie d'abord basse, une bougie noire ou rouge selon ce que vous avez paramétré sur votre logiciel d'analyse technique. Ensuite, qui est suivi par une bougie qui normalement est un doji ou un petit corps vrai, ce qu'on appelle un petit corps vrai, donc hein, c'est la différence entre la
clôture et l'ouverture. Et puis ensuite, c'est suivi par une bougie haussière, donc une bougie blanche ouverte selon votre configuration. Donc ça, c'est l'étoile du matin, c'est une configuration haussière qui indique que la tendance se retourne à la hausse. Je vais maintenant aller sur la figure de droite, sur le Doji qui est complètement à droite ici. Là, en fait, on parle très souvent de Doji. Effectivement, c'est une figure qui est très surveillée. Donc, en fait, c'est une figure où la clôture et l'ouverture se font au même niveau, au même cours. Ce qui fait que le corps vrai, à l'allure d'une petit trait horizontal en fait, et vous avez donc en fait ça fait une sorte de croix. Alors les ombres hautes et basses, ce qu'on appelle les ombres hautes et basses, c'est le trait vertical hein, qui représente le plus haut et le plus bas, peuvent être là vous avez un doji parfait, mais ils peuvent être de plus ou moins gros, hein. Donc, on peut parler par exemple de doji longue jambe, vous entendrez peut-être ce genre de termes, mais il s'agit en fait d'un doji dans tous les cas. Voilà. Ensuite, on va regarder les. Voilà, exactement là où. Celle-là? Non, juste au-dessus. Celle-là? Donc, Les marteaux? voilà. Donc, les marteaux et les pendus. Hein, donc, le pendu se situe en haut d'une tendance haussière et le marteau en bas d'une tendance baissière. Vous voyez qu'en fait, les cours ouvrent, puis baissent, et en fait, les acheteurs reprennent le contrôle pour réussir à faire fermer le marché sur les plus hauts du jour, et ça forme un petit cours vrai, et c'est souvent indicateur d'un retournement de tendance. Les deux configurations à côté sont du même acabit, c'est-à-dire ce sont des retournements de tendance aussi haussières. Vous avez ce que les Anglais appellent une piercing line, nous on appelle ça une pénétrante en français. Donc une ouverture sous le plus bas de la bougie de la veille et une clôture au-dessus du milieu de la bougie. Non, à droite, juste à côté. Ah, Ah, celle-là. voilà, ouais. Voilà, celle-là. Et juste à côté encore, vous avez le harami. Donc, le harami est une combinaison de deux figures, une baissière, mais surtout le corps vrai de la seconde est à l'intérieur, se situe à l'intérieur de la précédente. Donc, voilà. Donc, je passe vite parce qu'on va le voir en application. Et puis, le propos, c'est Parfait. vraiment C'est juste les de voir figures les plus ça. notables, quoi. Voilà, on a déjà fait, je vous rapproche du webinaire qu'on a déjà fait sur les configurations, sur les chandeliers japonais et qu'on refera peut-être. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez le trouver. Voilà, les supports et les résistances. Là aussi, on avait fait un webinaire sur support et résistance. Donc, je résume. En fait, pour qu'il y ait un support et résistance, il faut qu'il y ait au moins deux points de contact. Le support, la résistance peut être des droites horizontales ou verticales. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, on considère quand même que les supports ou résistances, les droites de support ou résistance horizontales sont plus fortes que les verticales. Donc, il faut qu'il y ait au moins, au minimum, deux points de contact, plus le premier, donc trois points en fait de contact pour que on considère que ce soit une support ou une résistance. Sinon, s'il n'y a qu'un point de contact, c'est un point bas, c'est un creux de marché, un sommet de marché, mais ça n'a pas la force d'une droite de résistance ou de support. Ça peut devenir par la suite, bien sûr, un support ou une résistance, on va le voir. Donc, Parfait. voilà rapidement pour. Aussi, j'ajoute, il y avait encore cette idée de trois points d'impact, comme sur les lignes de résistance, qui permettent en fait de dire si le support est, je dirais, très solide ou en tout cas vraiment bien identifié, quoi. Exactement. Plus il y a de points de contact, plus le support est solide. Et plus, si il s'avère que ce support est cassé ou cette résistance, plus la réaction risque d'être violente. Voilà, la correction risque d'être importante. Parfait.
Donc là, on a Donc voilà. quelques exemples. Vous avez un exemple là, donc vous voyez, il y a plusieurs points de contact. Et donc, la cassure fait que les cours vont aller plus haut. Alors, le principe de polarité, en fait, c'est que une fois que la droite de résistance est cassée, elle devient support. C'est ce qu'on appelle le principe de polarité ou une droite de polarité. Parfait. Donc en fait, c'est une résistance qui se transforme en support et réciproquement, quoi. Voilà, et là vous avez l'inverse, donc le support qui devient résistance ici. Résistance ici. Support là à trois reprises Voilà. et Voilà, là, trois reprises, résistance. et là ça devient résistance. Parfait. Alors, le canal, c'est vrai que le canal, en fait, c'est une configuration un petit peu particulière parce qu'en fait, on va avoir le support et la résistance qui vont finalement opérer en même temps et on va avoir à la fois des canaux horizontaux, ce qu'on appelle le range, et le canal haussier ou baissier. Et alors, l'avantage justement dans ce canal, c'est que comme on va avoir deux bornes, à la fois la borne basse qui sera donc le support et la borne haute qui sera la résistance, on va pouvoir justement profiter des variations au sein même de ce mouvement et après profiter aussi de l'opportunité à la sortie du canal, qu'elle se passe par le haut ou par le bas. Alors exactement, donc l'idée là, les traders vont vendre quand les cours se rapprochent du ou quand vous voyez par exemple un chandelier d'hésitation à l'approche de la résistance du haut du canal, ils vont vendre pour racheter quand les cours reviennent sur le bas. Alors c'est un sport dangereux hein, parce que effectivement si ça casse, ça peut partir très vite. Donc il vaut mieux, c'est pas qu'il vaut mieux, il faut absolument avoir un stop loss qui est au-dessus du canal pour se protéger d'un mouvement violent, puisque plus le canal va être long, plus il va représenter une phase de distribution. Et donc quand cette phase de distribution, bon, ça c'est la théorie de Do, c'est autre chose, mais c'est quand cette phase de distribution est terminée, lorsque les cours sortent, très souvent ça sort assez rapidement et violemment à la hausse ou à la baisse. Parfait. Ah ben là, justement, on a un exemple de canal, hein, et donc là, c'est un Voilà, on a le canal canal haussier. haussier pour le coup. Donc la recommandation là, donc si vous êtes trader un peu plus averti, vous pouvez vendre la résistance et acheter les supports. La recommandation là, pour ceux qui le sont un peu moins, qui sont plutôt débutants, vous avez un canal haussier, donc c'est plutôt de se concentrer sur les achats sur support parce que vous avez une plus grande réussite de continuation de la figure que si vous êtes sur la résistance où ça peut sortir, partir vers le haut plus facilement, puisque vous êtes sur un canal haussier, ça veut dire que la tendance est haussière. Alors, il y avait une première question justement. On dit trois contacts sur la verticale. Alors, je ne suis pas certaine de comprendre la question, mais j'imagine que c'est par rapport au point d'impact. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure avec Cédric, c'est qu'en fait, l'idéal, hein, c'est d'avoir justement au moins trois points d'impact. Donc là, ça dépasse légèrement, mais on a quand même cette idée de trois points d'impact pour en fait que ce soit une droite, je dirais, qui est bien identifiée et surtout qu'elle soit identifiée finalement par d'autres investisseurs. Parce que plus elle est identifiée, j'imagine, Cédric, plus elle va avoir d'effet au moment où elle est cassée ou au moment où elle est dépassée dans le cadre d'une résistance. Complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, plus vous avez de points de contact, plus de personnes d'opérateurs vont l'avoir et donc la réaction risque d'autant plus violente. Et effectivement, la personne qui posait la question, j'ai pas vu qui c'était, mais a raison. Là, on est sur la théorie. L'idéal, c'est d'avoir trois points de contact, mais vous pouvez en avoir très souvent deux. Mais la théorie veut que on en ait trois. Plus vous en avez, encore une fois, plus votre support, votre résistance est solide, et donc plus la réaction risque d'être importante à son approche. Parfait. Bah écoute, je te laisse du coup passer sur les graphiques Pro Real Time Alors. pour nous montrer les cas de figure. Alors, hop, je te passe la main. Alors, allons-y. Tu vas juste me dire, est-ce que vous voyez, est-ce que tu Alors vois mon là, je écran? vois Est-ce que le vous voyez mon écran? graphique, oui. Et je Est-ce que c'est, vois le France ouais. 40 à 10 euros le point.
Eh ben, c'est parfait. Donc, on va commencer par le CAC 40. Alors, nous sommes sur le CFD. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne reconnaissez pas tout à fait les configurations, puisque le CFD a cette particularité de coter en permanence, alors que, vous le savez, l'indice a des heures de clôture, d'ouverture et de clôture qui sont de 9 à 17h30. Ici, donc, sur le CFD CAC 40, vous pouvez voir plusieurs configurations de chandeliers japonais associés à des résistances et des supports. Vous avez un premier support qui est défini ici, donc sur 5302,8 points très précisément, où vous avez ici. Est-ce qu'on voit bien ma flèche, Maëva? Est-ce que tu peux qu'on voit la flèche quand je Oui, la. on Ouais, la voit. d'accord. D'accord. Donc un premier point de contact ici, c'était en novembre 2020, un deuxième point de contact le lendemain, puis un troisième point de contact beaucoup plus tard en décembre. Et les cours reviennent sur ce support, et là vous avez ce qu'on appelle une étoile du matin, que j'ai définie tout à l'heure, hein, qui est une figure qui est assez recherchée et assez pertinente sur les marchés, hein, qui se constitue donc par un chandelier rouge baissier, qui est bien baissier pour le coup, une figure d'hésitation en doji au contact et une reprise haussière au lendemain qui est assez violente. Et donc, plus la figure est tirée, donc plus elle a de la force. Et donc, au contact, ça renforce sa pertinence et vous voyez derrière que, effectivement, en plus, avant ce support, on était dans une tendance haussière. Donc, ça confirme triplement, j'ai envie de dire. Et donc, vous voyez que, à la sortie de cette figure, les cours ont continué à monter. La Et je deuxième fais juste une remarque. oui. Cédric, ce qui est fou, c'est que justement, tu as ce support qui commence à être identifié par les deux points. Et justement, au troisième point, tu as en plus le doji, hein, si je ne me trompe pas, Oui, tout à qui fait. vient finalement et il vient vraiment identifier, enfin, valider ce rebond sur le support, quoi. Complètement. Donc là, vous êtes sur un cas d'école, presque, j'ai envie de dire. Vous avez ensuite un deuxième point ici. Alors, ça peut paraître bizarre parce que vous allez dire, mais il n'y a pas de support résistant. Si vous avez un support qui est là et constitué par la moyenne mobile exponentielle à 34 périodes. Alors, forcément, vous êtes peut-être pas, vous avez peut-être pas cette moyenne mobile sur vos écrans, hein, c'est pas obligé, mais si vous l'avez, vous pouvez très bien la considérer comme un support parce que vous avez un point de contact ici, un deuxième point de contact ici, quasiment un troisième ici, et à nouveau les cours reviennent sur cette moyenne mobile, une bougie rouge suivie d'un doji, suivie d'un chandelier haussier, et donc cette figure de retournement sur un support dynamique, pour le coup, va faire que on aurait pu très bien considérer que c'était un signal de reprise de tendance d'achat. Et effectivement, derrière, vous avez une reprise ou une continuation haussière après une petite respiration qui a eu lieu ici. Et les cours ont, donc ça c'était en mars, ont poursuivi. Alors, on va voir un troisième exemple, et ça tombe très bien parce que c'est aujourd'hui, quasiment. Alors, ici, hop, vous mettez une résistance qui se situe sur 6318, qui a été touchée ici une première fois, puis une deuxième fois, on n'a pas réussi à la dépasser, et vous avez eu cette longue bougie baissière, c'était il y a 9 jours. Qui montrait que ben là, il y a un point à 6318 qui va constituer une résistance, puisqu'on n'arrive pas, non seulement on n'arrive pas à la dépasser, mais surtout ça a provoqué une réaction assez violente à la baisse. On revient dessus, donc hier, au contact avec une bougie verte qui aurait pu laisser croire que on a
aller aujourd'hui la franchir allègrement. C'est ce qui s'est passé à l'ouverture aujourd'hui, mais vous voyez que les vendeurs ont complètement repris le contrôle de la séance d'aujourd'hui et que très probablement, alors le CFD encore une fois n'est pas clôturé, mais on se dirige, il est déjà 19h, donc on se dirige vers une clôture sous cette résistance avec une figure en forme de doji. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit pas qu'il va y avoir une baisse demain, on n'en sait rien, il va falloir attendre certainement une confirmation avec une séance baissière pour vraiment envisager une baisse. Mais ça incite beaucoup à la prudence. En tout cas, moi personnellement, attention, ça n'engage que moi, mon avis n'engage que moi, et il ne s'agit absolument pas d'une recommandation, mais personnellement, moi, ici, sur ce niveau, je n'achète pas. Il est clair que quand je vois une figure comme ça de retournement au contact d'une résistance, je ne vais pas acheter. Et même, je vais me poser la question, peut-être qu'il faut se positionner à la vente plutôt qu'à l'achat, si demain, par exemple, on a une séance très négative. Voilà. On voit un marché qui quand même, à l'approche de 6318, montre des signes d'essoufflement. Donc voilà, là vous avez trois cas, donc deux étoiles du matin et un doji, puisqu'on ne peut pas considérer, quand vous êtes sur une résistance, ce n'est pas une étoile du matin, c'est une étoile du soir. Mais donc, est-ce que ça sera une étoile du soir? Je n'en sais rien. A priori, non, parce que le doji doit être quand même, il aurait fallu qu'il soit un peu plus haut que la devise, que le chandelier de la bougie d'hier. Là, ce n'est pas le cas, mais on a quand même un doji en formation. On verra ce soir à 22h comment ça clôture. Peut-être que dans les dernières heures de cotation, on aura une longue bougie verte et on clôturera au-dessus de ce niveau des 6318. Mais pour l'instant, ça n'en prend pas du tout le chemin. Et si on a une clôture comme ça ou légèrement supérieure, on aura un doji sur une résistance et donc une alerte, en tout cas, qui se forme et un risque de Alors, retournement. ah, excuse-moi, on a une question justement, Cédric. Ouais, Alors, pas j'allais tellement en demander. lien par rapport au support et aux résistances, mais on me dit pourquoi est-ce que tu utilises une moyenne mobile à 34 périodes? Quel est l'avantage en fait de ces 34 périodes? Ah, bon, c'est un chiffre Fibonacci, 34. Sur les marchés, on utilise beaucoup Fibonacci. Donc, 13 et 34 sont des chiffres Fibonacci. Pour faire de l'analyse, je trouve que c'est très bien parce que si vous prenez, vous pourriez prendre par exemple des traders un peu plus actifs, prendraient plutôt une 5, 8, 21 période. Mais ça va vous donner beaucoup, beaucoup de plus de signaux, mais beaucoup de faux signaux aussi. 13,34, pour moi, je trouve que c'est assez pertinent, c'est pas trop lent. Et c'est pas non plus trop rapide, et donc ça donne pas trop de faux signaux. Vous pourriez bien sûr ne pas prendre en compte cette périodicité et prendre des moyennes mobiles à 50, 100 ou 200. J'ai pas regardé, celle du bas que vous voyez là, c'est une 200. Donc 50, 100. En fait, il faut prendre des moyennes mobiles qui sont assez suivis par le marché. Donc vous avez 5, 8, 21 pour vraiment les traders actifs. Attention parce que c'est très piégeux comme système de moyenne mobile. La 13, 34 et 50 et 100. C'est généralement celles qu'on utilise qui sont le plus suivies par les opérateurs. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette précision. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais passer sur un autre actif, sur le CAC. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Alors, est-ce que les bougies Ekanashi alors attends, les bougies Ekanashi sont-elles une variante des chandeliers japonais? Oui, c'est une variante, c'est pas la même. On va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est pas la même programmation en fait de chandelier. Donc c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Mais il faudrait faire en fait un webinaire que sur ça pour le coup.
Ouais, voilà, c'est vraiment un Ouais, autre système de c'est un autre planning. système, ouais. Ouais, c'est un autre système. Voilà. Donc c'est un système japonais aussi, mais Ouais. avec un autre fonctionnement que les bougies japonaises qu'on utilise habituellement. D'ailleurs, Les on Japonais. propose régulièrement hein, des séminaires sur ce sujet, et pourquoi pas, tiens, je le note, hein, Cédric, peut-être qu'on pourra faire une session là-dessus. Tout à fait, pourquoi pas. On a beaucoup d'indicateurs viennent du Japon. Hein. Les Américains sont les maîtres du trading, hein, faut pas, et les Anglo-Saxons, mais les Japonais ont défini beaucoup de représentations graphiques, de systèmes, d'analyse, Ichimoku et les chandeliers japonais, plus effectivement d'autres paramétrages en chandelier. Qui permettent une lecture plus facile des marchés. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le CAC? Je vois pas les questions. Alors, entre les... Ah, Oublié. entre les deux vertes, donc j'imagine que c'est Oui. entre les deux bougies que tu as, tu sais, les deux figures que tu as encerclées, y a-t-il Oui. une possibilité d'achat sur la moyenne mobile bleue? Donc j'imagine que c'est vraiment au centre des deux, tu vois, qu'est-ce que tu en penses? La moyenne mobile à 13 périodes, elle est vraiment très sensible. Donc acheter dessus, c'est un peu plus compliqué. Moi, je ne recommande pas. C'est vraiment plus pour définir la tendance, en fait. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire, mais il faut vraiment que pour qu'elle serve de support, la moyenne mobile à 13 périodes, il faut vraiment que le marché soit en très forte tendance. Voilà. Sinon, la moyenne mobile à 13 périodes, si le marché est en tendance pas très forte, elle va vous donner énormément de faux signaux. Voilà. Ce qui peut être pertinent, par contre, c'est lorsque vous achetez et que la tendance se poursuit. Si les cours restent longtemps au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes, elle peut servir très bien de stop loss. Si un jour elle revient, par exemple, vous voyez, on va prendre un exemple. Ici, le 24 mars, vous avez l'étoile du matin, comme je vous l'ai dit, sur la moyenne mobile 34. Les cours passent au-dessus de la moyenne mobile 13. Donc, vous avez un autre signal que le marché reprend une tendance assez forte. Hein, parce que quand les cours sont au-dessus de la moyenne mobile 13, ce sont des moyennes mobiles exponentielles en plus. C'est une force, c'est un indicateur de force. Et puis, vous voyez, les cours restent. Au-dessus, 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 et vous pourriez très bien vous dire là, ben, j'ai pas envie d'abandonner tous mes profits, et donc je vais attendre que si les cours repassent en dessous, ben, je sors et j'encaisse mon gain. Et donc c'est ce qui s'est passé là. Hein. Vous voyez, il y a je ne sais pas combien de séances au-dessus de la moyenne mobile 13, et puis là, tout d'un coup, hop, on revient en dessous, donc alerte, et là on coupe. Alors après, effectivement, le marché repart, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir quand vous êtes là. Enfin, cette bougie-là, elle était quand même assez forte, hein, suffisante en tout cas pour faire prendre des profits. Parfait. Ça y est, on n'a plus de questions. D'accord. Donc, on va prendre un autre actif. On va prendre le pétrole. Alors, on est toujours sur du CFD. Hein. Donc, on va prendre le pétrole, le WTI, donc c'est le West Texas Instrument, donc c'est le pétrole américain en fait, le brut léger, ce qu'on appelle le brut léger. Et ici, alors vous aviez encore une fois cette mo moyenne mobile à 34 périodes, les cours qui sont au-dessus, vous aviez ici par exemple cet avalement haussier au-dessus d'un support dynamique, d'un support ascendant, qui laissait augurer que la hausse pouvait se poursuivre. Ce que je voulais surtout vous montrer ici, c'est cette combinaison, ou en tout cas cette configuration. Alors, pour rappel, les cours viennent sur une résistance qui est constitué par les plus hauts de 2019 et 2020. Donc, ce sont des niveaux qui avaient donné lieu déjà à des prises de profit. Les cours ouvrent
au-dessus de cette résistance. Et là, vous voyez que quasiment tout de suite, les vendeurs, lors de cette session, cette séance, reprennent les choses en main, puisque on aurait pu croire que le franchissement de cette résistance allait donner lieu à une impulsion haussière, ça aurait dû être le cas. Et là, vous n'avez pas du tout ça, vous avez une ouverture au-dessus de la résistance et une clôture qui se situe en dessous, ce qu'on appelle une pénétrante, puisque vous avez une ouverture au-dessus de cette bougie-là et une clôture plus bas, au-dessous de 50% du corps de cette bougie. Donc là, c'est une figure de contre-attaque baissière qui valide a posteriori ce support. Et alors là, danger, parce que gros risque de correction quand vous avez cette configuration. Et effectivement, derrière, les acheteurs ont essayé de reprendre les choses en main, mais sans réussir à dépasser la résistance. Et donc, on a eu une correction. On est revenu sur un support qui était sur 57,26, qui était constitué par une droite de support. Mais le signal, il était là en fait. Il était là. Alors, les plus prudents auraient pu attendre la sortie ici pour se repositionner à la baisse. Mais cette configuration-là renforçait énormément la résistance et mettait en alerte contre une possible correction. Alors, ça paraît rien parce qu'aujourd'hui, ça a repris. Mais enfin, cette correction, elle a quand même duré du 8 mars, quasiment tout le mois de mars, puisque la reprise, on est revenu le tester là. Et encore une fois ici. Donc même ça a duré quasiment un mois. Donc d'où la force de cette combinaison de résistance avec cette configuration de chandelier japonais en retournement. Très souvent, quand vous avez une figure de retournement japonais sur une résistance, un support, vous le voyez, ça a beaucoup plus de force que si vous avez soit l'un soit l'autre. Parfait. Est-ce qu'il y a On n'a pas de questions d'autres pour le moment. questions? Ok, je continue. On va aller N'hésitez voir. pas d'ailleurs, hein, s'il y a des Oui, n'hésitez questions, des pas. points sur lesquels voilà, vous voulez que Cédric rebondisse, que ce soit par rapport à la configuration des graphiques, les opportunités, n'hésitez pas à poser les questions et on y répond au fur et à mesure. Ou si vous avez des questions sur un autre actif, n'hésitez pas. Moi, j'ai pris des exemples, mais voilà, il peut y en avoir d'autres, bien entendu. Oui, si vous voulez que Cédric analyse un actif en particulier, surtout, n'hésitez pas à demander. Surtout que, enfin, là, j'ai pris l'unité de temps quotidienne daily parce que c'est le plus regardé, mais ça marche évidemment sur toutes les unités de temps. Ce que Maeva disait en introduction, ça va du 5 minutes, voire du 1 minute au mensuel. Donc ici, une autre bougie japonaise, donc un marteau. Ici, au contact de cette droite de polarité qui avait servi ici hop, de résistance et qui devient support ici. Et donc, le marteau qui apparaît ici est un signal de retournement. Alors là, vous voyez que le point de contact, il est quasiment au point près. Et ce marteau va faire hésiter un petit peu le marché. En plus, il y a une moyenne mobile à 200 jours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, cette moyenne mobile, elle est à regarder parce que, en théorie et traditionnellement, on dit que c'est la frontière entre un marché haussier et baissier. Voilà, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, vous voyez que c'est pertinent puisque la moyenne mobile à 200 jours, ici, elle avait déjà servi quasiment de support. En tout cas, les cours n'avaient pas pu aller plus bas. Était remonté et c'est encore le cas ici. Donc cette triple combinaison d'un droit de support, d'un marteau sur le support et d'une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours font que on peut penser que le point bas, en tout cas à court moyen terme, est atteint et c'est effectivement ce qui s'est passé puisque derrière les cours sont repartis à la hausse sur l'euro suisse. Alors, on me dit il y a effectivement une belle divergence, mais je pense que c'est celle que tu as mis en évidence Oui, justement c'est avec après, oui. tes C'est flèches. Hein. après, oui. Voilà. En fait, c'était un webinaire précédent. Donc, je laisse des fois
les indications. Il y avait effectivement une belle divergence qui incitait à la prudence. Et effectivement, qui est même presque encore en cours, puisque le RSI, il se dégrade très très lentement. Et on dirait qu'il est toujours sous l'influence de cette divergence. Et donc, cette paire de devises est toujours en consolidation. Mais c'est un autre sujet. On va aller voir un autre Ah bah exemple. alors tiens, j'ai une Oui, demande. Est-ce qu'on pardon. peut avoir une analyse du CFD Allemagne 30, un point à la suite de la chute d'aujourd'hui en intraday? Alors, on Donc va aller voir ça. Je voilà. voulais juste finir avec les devises parce que sur le dollar CAD et après on va aller voir ça. Alors, Parfait. juste pour voir un autre type de chandelier japonais. Ici, donc je vais agrandir. Voilà. Vous aviez ici une résistance à 1,2647, 1,2650, on va dire. Qui empêchait le rebond des cours. À plusieurs reprises, on a essayé et on n'a pas réussi. Et là, le 21 avril, c'était la semaine dernière, on a eu une magnifique bougie d'avalement baissier qui a rejeté fortement cette résistance, puisque vous voyez qu'on a essayé d'aller plus haut, mais ça n'a pas du tout marché. Ça a très vite repoussé les acheteurs, les vendeurs ont repris tout de suite le contrôle, ils étaient bien présents. Et derrière, vous voyez que depuis, le dollar contre le dollar américain contre dollar canadien poursuit sa baisse et on va très certainement rejoindre les plus bas de janvier 2018 à 1,2250. Donc voilà un autre type de chandelier japonais de retournement associé à une résistance. Donc on m'a dit l'Allemagne 30, c'est ça? Exactement, Allemagne 30 après la chute d'aujourd'hui. Alors intraday, mais j'imagine que c'est pour du trading intraday, donc c'est peut-être pas du daily justement. C'est peut-être sur Alors, une plus courte unité de une temps heure. pour voir, tu vois. Oui, je pense pour voir ce qui s'est passé Et, et justement en donc, intraday. et donc la question c'est quoi? Il me faudrait Une analyse suite à la chute d'aujourd'hui. Donc j'imagine c'est en gros qu'est-ce qu'on peut attendre après la chute qui s'est produite D'accord. aujourd'hui. D'ailleurs, on dirait qu'on arrive sur une zone de support, hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour Ouais. ça que je prends. Alors, quand vous faites une analyse, vous devez toujours partir de l'unité de temps supérieure à l'unité et aller ensuite à l'unité de temps que vous regardez. C'est-à-dire que si vous regardez le 1 heure, vous allez quand même aller voir ce qu'il y a sur l'unité de temps quotidien. Alors, ou 4 heures sur les devises, mais quotidien plutôt sur les indices. Et donc, alors ici tout de suite, vous voyez, je ne l'avais pas vu, mais vous avez une divergence baissière qui a indiqué une grosse alerte. Vous voyez, alors une divergence baissière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RSI fait un plus bas alors que l'actif sous-jacent fait un nouveau plus haut. Donc vous aviez ici une divergence baissière qui incite à la prudence et qui vous donne une alerte sur une correction possible. Ensuite, vous avez un dernier creux de marché qui se situe ici et donc qui est, alors il n'y a pas de point de contact, mais qui est susceptible de servir de support. J'ai bien dit susceptible. Et donc on va aller voir maintenant. Donc là, vous avez votre configuration générale. Vous êtes sur un marché qui est haussier, il n'y a pas de souci, mais avec une grosse alerte due à la divergence et donc des risques que effectivement au moins on ait une consolidation à plat, c'est ce qui s'est passé pour l'instant. Pour l'instant, j'ai bien dit, parce que le RSI lui continue à baisser. Donc, si on passe sur le 1 heure, donc vous aviez ici effectivement, alors là vous aviez une résistance sur le 1 heure ici, parfaite. Puisque, alors là, on a trois points de contact pour le coup. Ici, une fois. Ici, une deuxième fois. On a essayé, mais la mèche longue montre que les vendeurs ont défendu ce point. Et ici, donc, une troisième fois. Et alors, derrière, c'est la chute. Alors, effectivement, vous avez ici une magnifique bougie rouge
Bessières, qui est un avalement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11, parce que je pense que ça doit être. Non, c'est au-dessus aussi. Donc 12, de 12 bougies. Donc cette bougie avait quand même une force assez extrême, hein, quand vous avez un avalement de 12 bougies précédentes, c'est quand même très fort. Au contact d'une résistance, donc là, effectivement, il y avait tous les signaux qui s'allumaient au rouge, les alarmes qui sonnaient partout, parce que je vous rappelle que sur l'unité de temps supérieure, il y avait déjà une divergence baissière en cours. Et donc, on est venu, et on vient effectivement rejoindre directement ce support. Et donc, j'ai dit que tant qu'on était au-dessus de ce support, on est dans une tendance haussière. Donc, là, pour l'instant, on peut considérer qu'on est dans un range entre 15 338, 15 072. Encore une fois, on est sur le CFD, mais vous devrez retrouver à peu près la même configuration sur l'indice. On n'a pas de vrai chandelier de retournement. Le support a joué son rôle, hein. Il y a des acheteurs qui sont apparus, mais on n'a pas une bougie de retournement à proprement parler sur les chandeliers. Donc, pour l'instant, je dirais qu'on est dans une zone complètement neutre. On est sur l'horizon de temps 1 heure, avec un essoufflement de l'indice dans une tendance haussière. Donc, personnellement, je surveillerai la sortie de ces deux bornes. Si on revient et on clôture au-dessus des 15 338, il y a de très fortes probabilités que la tendance reprenne haussière. Par contre, si on vient à casser 15 072, là, la correction risque de s'amplifier assez rapidement quand même. Donc, neutre pour l'instant. Et surtout surveiller le dépassement d'une de ces deux bornes. Bah Est-ce que donc, j'ai faut répondu plutôt à la attendre question? pour le moment, en attendant que ça se stabilise, quoi. Oui, parce que quand même, cette phase de baisse a été très rapide entre les deux bornes, quand même, hein. Ça a été sur la journée. L'écart, il est quand même assez conséquent. Il y a quasiment 300 points, hein, c'est pas rien. Donc, enfin, on peut acheter en trading pur. On pourrait acheter sur ce niveau avec un stop tout de suite en dessous, par contre. Donc là, et viser le haut du canal, on a un risk reward qui est tout à fait satisfaisant. Donc c'est pour ça que je dis ça pourrait se tenter. Mais vu la configuration avant, pour moi, il me manque quand même un chandelier japonais un peu plus puissant qui montre que les acheteurs ont vraiment repris le contrôle. Personnellement, mais ça n'engage que moi, encore une fois, ça ne me suffirait pas. Vous voyez, par exemple, vous voyez là, ici, le 21 avril, cette bougie-là m'aurait fait analyser le marché différemment parce qu'on a une bougie d'avalement haussier. Mais là, on n'en a pas. Hein. On n'a ni étoile du matin, ni avalement haussier, ni marteau, rien du tout. Marteau inversé, on a rien de tout ça pour l'instant. Pour l'instant, personnellement, je m'y risquerai pas, même si en probabilité, ça pourrait tenir la route. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la Parfait. question? Bah écoute, oui, je pense parce qu'on a eu merci. Voilà, donc je pense que ça répondait bien à la question. Et on n'a pas d'autres questions là, donc tu peux retourner au sous-jacent que tu avais prévu. D'accord. Alors, j'avais un dernier. C'était sur les devises. C'était. Alors, par contre, je ne sais plus où je l'ai vu. C'était sur le sterling yen. Tac, tac, tac. Non, ça ne devait pas être ça. Ou sur l'euro yen. Je n'ai pas noté. En fait, vous pouvez en trouver après, une fois que votre œil est aguerri, hein, quel que soit l'actif ou
vous pouvez en trouver hein, partout. Hein, vous allez vous familiariser avec ça et vous allez les reconnaître, ces figures. Hein. Alors là, par exemple, on avait. La première chose à faire, c'est tracer les supports à la résistance. C'est ce que j'avais dit. Voilà, ici, vous en avez certainement un. Hein, voilà, et vous avez une étoile du matin ici. C'était ici que je l'avais vu. Ah oui, parce qu'on est sur le 1 heure. Voilà. Ici, vous avez une étoile du matin, bon, qui est pas parfaite parce qu'elle se fait en 2 temps, la hausse, mais ici, on aurait pu très bien envisager, en plus, les cours repassent au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, on aurait pu très bien envisager un achat, par exemple, au contact de ce support. Et donc, et après, derrière, vous avez, bon, c'est plutôt lent, mais vous avez quand même un support qui se détermine avec une étoile du matin, ça renforce le support ici. Et d'ailleurs, depuis, ben, on ne l'a pas cassé. Et même ici, on a un avalement aussi, hein, au contact de ce support. Donc, vous voyez que la combinaison de bougie japonaise, de changeuse d'huile japonais avec support ou résistance, renforce considérablement la force que va avoir ces niveaux de support ou de résistance. Et sur quels que soient les horizons de temps. Donc voilà, alors peut-être que ici on a même, puisqu'on est sur cet actif-là, autant y rester. Vous voyez, alors là on a une très très belle oblique haussière, hein, avec un premier point ici, même presque un deuxième point là, troisième, quatrième, cinquième, sixième, sept, huit, neuf, dix. Et donc, vous voyez que ici, donc là, bon, là c'est clair, hein, le support oblique, il est évident, il est clair et net. Donc ici, vous aviez une étoile du matin avec une longue bougie rouge qui aurait pu laisser penser qu'on allait casser cette oblique. Pas du tout, on a un doji derrière, donc ça doit vous mettre en alerte en vous disant attention, les vendeurs qui étaient si présents la veille au contact de l'oblique, ils ont un peu disparu. Pareil le lendemain, et derrière on a une reprise haussière dont les acheteurs reprennent le contrôle du marché, et ça laisse penser qu'effectivement derrière on va avoir une hausse. Et effectivement, derrière, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là encore, vous êtes sûr. Un support ascendant avec une combinaison de bougies japonaises qui renforce ce support et qui vous indique en tout cas quel sens le marché peut prendre, a le plus de probabilité de prendre et donc le sens de votre trade. Hein. Je ne veux pas vous influencer, mais c'est ça qu'on cherche en fait. Parfait. Et là, effectivement, on retrouve vraiment la ligne de tendance. Et je dirais, elle est très belle par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les impacts, parce que là, on a bien plus de. On a quasiment 5-6 impacts, hein, sur cette ligne de Ah ouais, tendance là, haussière, quoi. celle-là, elle est presque un cas d'école, hein. Elle est presque au point près Parfait, même, hein. parfaite, Même si quoi. on l'a Il n'y a cassé quasiment deux, aucun dépassement. Ouais, c'est à ouais, peine une petite quasiment mèche. aucun, ou alors vraiment deux tics. Alors encore une fois, là, enfin, on est sur le marché des devises, hein. Donc quand vous, le marché de devises, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est le marché le plus liquide au monde. C'est 4 000 milliards tous les jours échangés. Donc, quand vous êtes sur un tick, c'est donc le quatrième chiffre après la virgule, de différence à la droite, elle est parfaite. Hein. Vous êtes, surtout que selon comme on est sur un marché de gré à gré, selon les opérateurs, il peut y avoir un tick de différence. Donc là, la droite, elle est vraiment, enfin la droite, l'oblique, pardon, haussière, elle est vraiment parfaite. Et vous avez une tendance haussière magnifique. Je pense que le travail le matin, c'est de chercher un actif qui a une tendance. Quand vous voyez ça, vous savez déjà que il n'y a qu'un sens, c'est trouver un point d'achat. Voilà. Tant qu'on reste au-dessus de cette oblique, aller sur une position vendeuse, c'est un peu kamikaze, pour reprendre un terme japonais. Mais voilà. Donc là, effectivement, c'est les points d'achat qu'il faut chercher sur cette oblique. Surtout que
Vous avez ensuite un stop loss qui est très facilement identifiable. Il suffit qu'il y ait une clôture au-dessous de l'oblique et vous sortez de la position avec très peu de risques finalement. Alors bien sûr, elle va Parfait. finir par casser, hein, elle ne va pas durer éternellement. Il y a un jour où on va clôturer au-dessous. Surtout que là, maintenant, en plus, on a un RSI qui arrive en surachat. Donc, on a une probabilité de retour sur l'oblique. Mais écoute, on n'a plus de questions. Tu voulais revoir des... Ah, alors attends, on a une question qui vient d'apparaître. Alors, quelle est la différence entre les moyennes mobiles, donc les moyennes mobiles simples, hein, je suppose, et les moyennes mobiles exponentielles? Alors, Est-ce que ce n'est pas... Alors, attends, je te fais juste la deuxième Oui, partie de la question. pardon, oui, je Est-ce que pensais que ce... la question était. Ah, est-ce que ce n'est pas trop hors sujet? Non, mais on peut se permettre de Non, répondre quand non, même. on peut y répondre quand même. On est sympa quand même. Ouais, quand même, on est cool. Les moyennes mobiles exponentielles attachent plus d'importance aux bougies les plus récentes. Par exemple, sur le calcul d'une moyenne mobile simple, si vous êtes sur une moyenne mobile à 20 jours, par exemple, les 20 bougies vont compter pour le même poids. Sur une bougie exponentielle, la bougie de la veille, sur du quotidien, va être pondérée plus fortement que celle qui a commencé la série, donc la première. Voilà. Donc, pourquoi on... Alors, les deux écoles se défendent, hein. Pourquoi là, moyenne mobile exponentielle plutôt que simple, on peut penser que l'émotion des opérateurs est plus fortement impactée par les derniers trades que par les premiers. Et donc, on va prendre une moyenne mobile exponentielle pour représenter un petit peu ce positionnement. Mais les deux tiennent la route. La moyenne mobile exponentielle va être plus réactive aussi. D'accord. Eh bien, écoute, c'est bon. Voilà, là, on n'a plus de questions. Donc, si tu veux, on peut passer à la conclusion. Alors, tu reprends l'écran. Je crois qu'en plus, la conclusion, je ne suis pas sûr d'avoir. Je te laisse reprendre Parfait, je reprends la main. l'écran. Ouais. Hop, hop. Et voilà. Tu vois bien l'écran? Exactement. Parfait. Donc, en fait, quand vous faites du trading, il ne faut pas penser que plus vous allez multiplier les indicateurs, plus ça sera pertinent. Au contraire. Alors, c'est une faute que, alors, je ne connais pas votre niveau de trading sur les marchés, mais c'est une faute que font quasiment tous les débutants. Ils multiplient les indicateurs en pensant trouver la martingale. La martingale, elle n'existe pas. Il n'y a pas un seul indicateur donne des résultats plus probants que les autres. C'est pour ça qu'il faut aller vers la simplicité et que quand vous avez une support, résistance et l'analyse des chandeliers japonais, c'est suffisant. Par contre, ça demande effectivement de la pratique. Donc au début, vous pouvez rajouter un ou deux indicateurs. Mais ne surchargez pas votre graphique. Je vous assure que la lecture du graphique avec ce que je vous ai donné là, support résistance et bougie japonaise, si vous faites le travail de les apprendre, suffit pour faire du trading et suffit pour avoir des résultats en trading. L'avantage, c'est que c'est valable sur toutes les unités de temps et tous les actifs. Vous avez bien vu, j'ai pris le pétrole, donc une matière première, j'ai pris des devises, on a analysé deux indices, on aurait pu le faire avec des actions, c'est la même chose. Et ça permet d'identifier facilement les opportunités d'investissement. Pourquoi? Parce que vous pouvez
calculer quelque chose qui est essentiel, c'est le risk-reward, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va vous coûter par rapport à ce que ça va vous rapporter, puisque vous pouvez, quand vous avez déterminé un support résistance, vous pouvez très facilement mettre en place votre stop-loss qui est essentiel dans la réussite de votre trading. Et je finirai par ça. J'insiste bien. La différence, quand vous lisez, si vous avez eu l'occasion de lire Les magiciens de marché de Schwartz, de Schwager, pardon, vous lisez, il a interviewé les meilleurs traders au monde, les meilleurs investisseurs, donc vous avez une dizaine. Il n'y en a pas un qui utilise le même indicateur. Il y a des analyses techniques, il y a des analyses fondamentaux, il y a les deux, les techniques n'ont pas les mêmes indicateurs, et pourtant ils ont tous gagné l'argent. Par contre, ils ont tous la même caractéristique, ils mettent des stop-loss parce qu'ils ont horreur des pertes et ils limitent leurs pertes au maximum. La différence entre les débutants et les traders professionnels, c'est ça, c'est que le débutant, il se focalise sur les gains, alors que le trader professionnel, il va se focaliser sur les pertes. Et c'est par là que je en terminerai. C'est un conseil vraiment à méditer et à suivre, si vous voulez réussir. Parfait. Bah, écoute, merci pour cette conclusion. Et c'est vrai que c'est un point en plus sur lequel tu reviens très souvent, le fait qu'en fait d'avoir trop d'éléments sur le graphique, ça fausse tout parce qu'en fait on sait finalement pas à quoi se référer, alors qu'on a besoin d'être en mesure de prendre une décision rapide et efficace, quoi. Oui, et puis souvent, ça va venir renforcer une idée que vous avez avant de rentrer sur le marché. C'est-à-dire que souvent, on dit, oh ben, j'ai lu, si vous avez lu la presse ou comme ça, vous avez déjà une idée, même inconsciente, en vous disant, ah ben, de toute façon, ça va monter. Et si vous multipliez les indicateurs sur votre graphique, vous allez trouver toujours un qui va vous donner raison. Donc, vous allez dire, ah ben, vous voyez bien, l'analyse technique, elle dit la même chose. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. D'abord regarder l'analyse technique avec un seul indicateur et toujours le même, ou pas d'indicateur comme je vous l'ai montré, et voir ce que vous dit l'analyse technique. Et pas arriver avec une idée préconçue et chercher une justification a posteriori avec un indicateur technique, parce que vous trouverez toujours un à interpréter. Si vous en avez 10, forcément, il y en a un qui va être un peu moins haussier ou même baissier, et vous allez vous focaliser sur celui-là. Parfait. Eh bien, écoute, c'est parfait pour moi. Merci encore. Ah, alors attends, je vois s'il y a des questions. Ah oui, un participant qui nous disait, voilà, attention, gare aux pertes, effectivement. Ouais. Tout à fait. Hein. Vous êtes sur des produits à effet de levier, hein, que ce soit sur des produits listés, sur les turbos ou sur les CFD. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours rester vigilant. Je précise que l'avantage sur les turbos, c'est qu'on peut bien maîtriser son effet de levier parce qu'on le choisit. Vous le choisissez directement sur la plateforme, ça va entre 3 et 100. Donc, ça vous permet vraiment d'ajuster en fonction de vos besoins et de la prise de risque que vous souhaitez. Mais effectivement, hein, tout à fait, il faut être très vigilant et être attentif aux pertes. Bah, merci en tout cas énormément, Cédric, encore pour ce webinaire. Merci à Merci toi, à vous. merci à tous les participants. Voilà, merci pour vos questions aussi. Alors, je précise que, parce que il y a plusieurs personnes qui ont rejoint en cours de route et qui me demandaient comment est-ce qu'on pourrait retrouver. Donc, sachez que ce webinaire, il va être en replay pendant 7 jours. Pour le retrouver, en replay, il vous suffit simplement d'aller sur IG Academy. Comme ça, vous pourrez le retrouver et le visionner. Et puis, si jamais il y a d'autres questions, des points sur lesquels finalement vous souhaitez des précisions, bah, Cédric est toujours joignable sur son Twitter. Et puis moi, vous pouvez soit me contacter sur mon email ou même sur la ligne du service commercial. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis à très bientôt pour une prochaine session. J'en profite juste pour vous parler des prochaines dates par rapport au thème. Hop, je vous l'affiche là comme ça.
Vous les aurez sous les yeux. Donc, demain midi, on va parler un petit peu tendance de fond. Donc, Nicolas vous expliquera comment justement décrypter les tendances de fond. Lundi, on va aller sur quelque chose de très pratique et notamment parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous rejoignent en ce moment sur la plateforme, qui commencent à trader sur la plateforme IG. Comment passer vos ordres? C'est vraiment un très bon outil pour maîtriser la plateforme, hein. On ira sur la plateforme, on va vous montrer toute l'utilisation pratique. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, ça ce sera lundi à 18h30. Et puis après, pour les férus d'analyse technique, trader avec les graphiques Pro Real Time. Donc Pro Real Time, c'est l'outil sur lequel Cédric a fait toutes ses analyses ce soir. Donc si vous voulez apprendre à l'utiliser, à paramétrer vos graphiques, rajouter les indicateurs, passer vos ordres, etc., eh bien vous vous connectez avec nous après vous être inscrit pour mardi à 18h30. Voilà, et eh bien merci encore et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tout le monde. Bonne soirée. À bientôt!